J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver. Ça faisait très très longtemps que je n'avais pas fait sur ma chaîne pour une vidéo haul Jiffy Action. J'ai totalement craqué. Ce matin, je me suis dit, allez, je vais faire un tour chez Jiffy Action puisqu'ils sont juste à côté, près de chez moi. Et du coup, carnage. Mais carnage. J'ai dépensé plus de 160 euros. Non mais 170 euros même presque. Ça m'arrive rarement. Mais là, c'était totalement un carnage. Oui, il fallait peut-être pas que je sorte ce matin. On va commencer par Jiffy puisque c'est là où j'ai le moins craqué, j'en ai eu pour une soixantaine d'euros. J'ai craqué tout d'abord vraiment une sublime pièce, je suis trop ravie d'être tombée là-dessus. Sur un coussin et un plaid de la même collection comme ça, blanc avec des petits effets gold au-dessus comme ça, espèce de... comme une sorte de coquillage. Je l'ai trouvé magnifique et voilà, je vous mettrai à chaque fois les prix par ici. Pour que vous puissiez savoir, et si ça vous tente, allez courir directement chez Action ou chez Jiffy. Et le plaid qui est de la même collection, voilà, je l'ai pris, il est trop beau, et il coûtait 9,90€, donc on va dire 10€. J'ai totalement craqué quoi, ça le coussin, alors il n'y en avait qu'un coussin, c'est pour ça que j'en ai pris qu'un. Il y en aurait eu un deuxième, j'en aurais peut-être pris deux, mais bon. Voilà, ça fait 15€ le truc, le lot on va dire. S'il y avait eu deux coussins ça aurait fait 20€, je trouve ça tout à fait raisonnable. Le plaid c'est un 130 sur 160, il est même motif, un côté blanc, un petit peu effet, vous savez, un peu polaire. Un côté blanc qui est polaire, vous verrez pas parce que là il est tout bien plié. Et l'autre côté comme ça, alors moi je l'ai pris pour le mettre sur mon lit dans ma chambre. J'essaierai de vous inclure un petit morceau de vidéo ou une photo pour que vous voyez un petit peu le résultat. Mais ma chambre elle va être totalement refaite grâce à Jiffy. Je trouve que leur collection quand même est vraiment sympa. Il faut y aller régulièrement parce que... là, ça, la dernière fois que j'y suis allée, j'ai pas du tout vu cette collection, donc ça doit sûrement venir de sortir. Donc je pense qu'il faut y aller au moins une ou deux fois par mois pour voir un peu tout ce qui sort. Toujours chez Jiffy pour ma chambre, hein. J'ai craqué pour cet énorme ananas qui s'ouvre, et c'est ça qui me plaisait parce qu'il y en a beaucoup d'ananas en décoration mais qui s'ouvre pas. Celui-ci s'ouvre, il coûtait 12€ et ma foi je le trouve merveilleusement beau, très très bien fini. Enfin voilà, il y avait beaucoup de décorations qui me plaisaient, il y avait un sablier qui était sublime aussi avec du gold, mais bon. Alors, fallait que je sois raisonnable. À l'intérieur, j'ai glissé pour pas éviter toute casse une bougie qui coûtait 5€ et qui a l'odeur de l'ange d'hiver, donc qui est aux couleurs un petit peu comme ça des fêtes de Noël, on va dire. Ça va être un très beau cadeau, je trouve, et ça sent très très bon pour 5€. Je trouve ça vraiment tout à fait sympa. Toujours pour ma chambre, ou peut-être la chambre d'un des petits, je sais pas encore, ou pour mon bureau, je ne sais pas, mais j'avais pensé à ma chambre en premier. Ce petit lot de guirlandes lumineuses comme ça, où vous avez des petites pinces et vous pouvez accrocher vos petites photos. C'était autour de 4€ je crois, ou 5€. Bon, je me suis dit pourquoi pas tester, que ce soit dans ma chambre ou dans mon bureau. Je pense qu'après je vous filmerai des vidéos dans ma chambre quand je pourrai, parce que le fond, le décor sera plus joli, plus clair. C'est une chambre qui est vraiment plus fraîche, donc je pense que je filmerai là-bas. Pour l'instant je ne peux pas, donc c'est pour ça mon petit loulou dort, donc je peux pas. Mais ça voilà, je me disais que ça pourrait être sympa dans ma déco, soit de chambre, soit de bureau. Et pour finir, je vous avais dit la dernière fois dans mon dernier haul Jiffy que j'allais craquer pour cette petite merveille là. Il y avait la petite, donc le coffret diffuseur avec des huiles essentielles qui coûtait 19€. Vous avez aussi la grosse que moi j'avais acheté pour ma belle-mère pour l'offrir à son anniversaire qui coûtait 30€. Et cette, dedans il y a deux huiles essentielles. Là il y en a qu'une qui est Vitalité. Sachant que mes enfants ont déjà pas mal de Vitalité, je me suis dit que j'allais plutôt en acheter un autre. Et j'ai pris la Zen. On verra si ça fonctionne. J'ai pas, étant donné que je suis enceinte, hein, vous allez sûrement vous déchaîner en commentaire en disant mais attention, c'est les huiles essentielles sont à éviter pendant les grossesses, même pour les enfants, etc. C'est à éviter. J'ai pas l'intention d'utiliser tout le temps et ni tous les jours. Comme il y a un programme dessus où vous pouvez mettre 90 minutes, 60 minutes ou 30 minutes, et du coup c'est réglable, ça s'arrête bah, quand vous l'avez programmé. Je me suis dit que peut-être j'utiliserai soit la nuit, en fait je le mettrai le soir avant d'aller me coucher dans le salon, et comme ça le matin bah, on n'aura pas à inhaler d'huiles essentielles, mais je me dis que ça aurait purifié et fait du bien à l'air. Donc il y en avait un aussi qui était air pur qui me disait bien au niveau des huiles essentielles, mais je prendrai peut-être la prochaine fois. Mais voilà, ça m'a coûté donc 19€, et l'huile essentielle supplémentaire de la marque Meséguet, ça coûtait 6,99€ je crois. Donc ma foi, ça restait raisonnable au niveau des prix. Pour Jiffy, c'est tout et c'est déjà beaucoup, hein, j'en ai eu pour une soixantaine d'euros.
Et puis après, carnage chez Action, où j'ai craqué pour mon bureau encore une fois. J'avais envie de petite déco pour ces petites choses-là. Je ne sais plus les prix. Donc là, je vous les mettrai parce que mon ticket de caisse est quelque part là-dedans. Cette petite chose-là, vous savez, pour mettre des cartes ou des photos dans mon bureau. Je me suis dit que ça pouvait être sympa pour soit mettre des cartes que je recevais de votre part ou des choses comme ça. Ou des petites décorations, je verrai bien, mais pour un petit peu alimenter mon bureau et le décorer, parce que là, l'instant, il n'y a rien. Et ça faisait très longtemps qu'il me faisait de l'œil, mais je craquais pas, donc voilà. Aujourd'hui, c'est bon. Alors là, j'ai pris beaucoup de choses aussi pour offrir. Il y a vraiment beaucoup de choses pour offrir, c'est pour ça que j'en ai eu pour cher. Parce que bah forcément, quand on veut offrir, on achète un. Des fois, on achète pour soi aussi, donc bon. J'ai craqué pour ces petits plaids qui font quand même 1m30 sur 1m60. Ils sont d'une douceur extrême, vraiment très très doux. Il y a rose. Et alors, il coûtait 3,49€, je crois. 3,40€ ou 3,50€ le plaid. J'ai pas hésité. Vraiment, c'était pas cher. Qualité au top. Et donc, j'ai pris un blanc, un rose et un gris. Alors, je pensais mettre dans les chambres de mes enfants. Voilà, le gris. Surtout, le blanc et le rose pour mettre sur le lit de ma fille, en fait, pour faire une sorte de cache-lit ou de couvre-lit. Voilà, de couvre-lit. Parce que bah j'ai parfois des draps qui sont pas hyper top, qui vont pas dans la déco de sa chambre. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Et je trouve que les prix étaient vraiment raisonnables, même pour offrir à une petite fille et tout, je trouve ça trop top, pour 3,50€ ça vaut le coup. Alors là j'ai totalement craqué pour ce coffret, il est juste sublime je trouve. J'en ai pris un pour moi, un pour ma belle-mère, donc moi je me suis pris le Cherry Blossom, vous savez c'est les pots comme ça avec des diffuseurs, vous avez les petits bâtons à côté, mais rien que le coffret je trouve que pour offrir il est top. Il était vraiment à 3,49€ je crois, ou enfin bon, moins de 4€, j'ai trouvé ça super. Bon, il y a de l'eau dessus parce qu'il pleut hein, ici, c'est pour ça que la luminosité n'est pas dingue. Et j'ai pris pour ma belle-mère ces French Linen, donc je pense que c'est odeur fraîche quoi, un peu coton, quelque chose comme ça. Mais je me suis dit que ça pourrait lui plaire. Pour offrir à des collègues ou des choses comme ça, je ne sais pas encore exactement à qui, je vais y réfléchir à ça, mais j'ai pris des petites tasses à 2€. Vous savez, c'est les tasses de Noël avec des petits pères Noël, ça c'est toujours top. Et je les trouve, à chaque fois, tous les ans, j'en achète au moins une ou deux pour offrir. Pour mon fils, je lui ai pris cette petite voiture à 5€, enfin 4,95€, une voiture qui... s'illumine on va dire et qui fait du bruit. Il aime bien ce genre de petites choses là, je suis pour Noël, pour compléter ses petits cadeaux, ça lui fera plaisir. Espérons que ça marche hein, parce que j'ai testé en magasin les autres, elles n'avaient pas l'air de marcher, donc espérons que ça marche. J'ai pris aussi, alors c'est tout mélangé, j'en suis désolée, hein, mais les sacs ne sont pas triés. J'ai pris ça pour mon lave-vaisselle, elles sont à 1,25€ je crois les 10, j'ai pris 3 paquets. Ça revenait à moins cher de prendre 3 paquets comme ça que d'acheter une boîte de 25. Donc bah j'ai acheté ça hein. Alors je passe vite pour les trucs de la cuisine, j'ai repris du papier de cuisson. D'ailleurs j'y suis allée pour ça à Action à la base et du scotch, vous savez, du gros scotch pour scotcher les cartons. Mais bien sûr j'ai totalement oublié le scotch à carton parce que je suis pas passée dans le rayon, du coup ça m'est sorti de la tête. Mais bon, j'ai repris du papier de cuisson, c'est déjà ça. J'ai pris des sachets congélation parce que ça c'est toujours utile et ils sont pas très chers là-bas. Bien sûr indispensable, non je rigole, des petits sacs poubelles pour les petites poubelles de 10 litres. Toujours pour ma cuisine, j'ai pris aussi cette petite chose là, vous aviez vu dans un autre de mes hauls Action. J'avais totalement craqué pour ces petits trucs là qui rentraient dans mes placards de cuisine. Je vous ferai bien sûr un room tour cuisine très prochainement, c'est pas encore tout à fait parfait, donc dès que ce sera je vous ferai une vidéo. Mais du coup voilà, il m'en fallait un, j'en avais pris que 3 la dernière fois je crois, donc j'en ai pris un nouveau. Je les trouve ma foi un peu chers quand même, 2,75€ je crois, un truc comme ça, donc c'est une petite contenance. Bon, toujours dans les choses qui servent pas à grand chose, j'ai racheté un allume-bougie pour mes bougies, une planche à découper comme celle-ci parce que je trouve qu'en petit elles sont pratiques pour couper des petites tomates, des petites choses comme ça, et elles se lavent facilement, donc voilà, au même au lave-vaisselle, ça se glisse facilement dans la vaisselle, donc j'en ai pris une, j'en avais déjà une, donc j'en ai repris une. Toujours en gadget et après on passera en papeterie et autres cadeaux. J'ai pris des piles, des petites piles, mais il n'y avait pas les grandes comme je voulais, donc bon j'en ai pas repris du coup. J'ai pris ça pour mes enfants, hein, si vous me suivez vous savez que j'en prends tout le temps. Et des serviettes pour Noël, je me dis qu'elles sont mignonnes, voilà, pour la table de Noël. Pour ma classe, puisque si vous me suivez je suis enseignante, j'achète beaucoup de choses chez Action pour ma classe, mais là j'ai été raisonnable pour eux. Je n'ai pris que ce jeu là, je me dis que pour travailler en autonomie ou même travailler avec moi en petit groupe, ça pouvait être cool, j'aurais voulu en prendre plusieurs, mais bon, je me suis contenue. Mais voilà, il faut tourner les lettres en fait pour faire des mots, et c'est à eux d'écrire les mots, c'est des mots de 4 lettres, donc je me dis avec des syllabes assez simples. Donc je me dis pourquoi pas, ça peut être intéressant à faire, et si ça me plaît et que j'en retrouve, j'en rachèterai d'autres. Pour la chambre de mon fils, j'ai pris deux coussins comme ça, enfin housses de coussins qui étaient à autour de 2,50€, je crois, je ne sais plus, pour mettre dans son tipi, parce qu'il a un petit tipi dans ces couleurs-là justement, et à l'intérieur, il m'a piqué des coussins à moi,
Et du coup, je me dis, bon, pourquoi pas, il va les garder et je vais lui mettre une belle housse comme ça dessus pour que ça serve dans sa chambre. Ça serait quand même plus utile et plus joli d'avoir des housses identiques que des coussins Betty Boop. Hein, parce que c'était des vieux coussins Betty Boop que j'avais et qui m'a piqué. Pour le sapin de Noël, j'ai pris qu'une seule décoration, c'est celle-ci. Je sais pas, ma foi, elle me plaisait bien, moins d'un euro. Donc, avec des petites branches de la poudre, des flocons de neige, on va dire ça. Toujours en accessoire de Noël, j'ai repris ces petites choses-là. Je voulais faire une petite déco dans une cloche pour les fêtes, donc je vais essayer de m'y lancer. J'ai pris ça, c'était 1,29€, ma foi. On verra si je les utilise, sinon je pense que bon, ça servira en déco dans la maison pour les fêtes de Noël. J'ai cru comprendre qu'ils étaient bons, ces petits gâteaux, donc j'ai pas résisté, même pour une photo Instagram ou quoi que ce soit, je me suis dit que c'était cool. Mais oui, des fois on craque pour des bêtises qui ne sont pas utiles, mais il paraît qu'ils sont bons, donc je les ai pris. D'ailleurs, en parlant de gourmandise, ça c'est une tuerie internationale, donc j'en ai repris. D'ailleurs, c'est mon mari à chaque fois qui me les vole tous. Et ça, je me suis dit pourquoi pas, ça a l'air hyper sympa. Ce sont des petites pralines avec du beurre de cacahuète à l'intérieur. Sachant que moi, je suis une hyper grande fan de beurre de cacahuète, je me suis dit pourquoi pas, ça a l'air cool, cool, cool. Donc je vais goûter, peut-être à la fin de cette vidéo, et puis je vous dirai ce que j'en pense. Pour ma crapouillotte, j'ai craqué pour deux petites choses qui valaient moins d'un euro, un petit biberon pour son bébé et des petites couches. Je me suis dit qu'aussi pour agrémenter les cadeaux de Noël, j'ai plein d'autres choses hein, pour ces cadeaux de Noël. Mais voilà, pour lui agrémenter, d'ailleurs il y avait des poupées, des poupons qui étaient vraiment pas chers, autour de 7 euros, donc ça va le coup. Je n'en ai pas pris parce qu'elle en a 4-5, ça suffit je pense amplement pour elle. Et alors ça, j'ai hésité fortement. C'est une petite veilleuse pas de patrouille, elle adore pas de patrouille comme beaucoup d'enfants de cet âge-là. Et elle adore les veilleuses, surtout ma fille, elle a 50 veilleuses à côté d'elle dans sa chambre pour toute la nuit, elle les laisse allumer H24. Enfin, et je me suis dit qu'une petite patte patrouille, ça lui ferait plaisir, donc voilà. Un gadget maison, j'ai pris du... Comment ça s'appelle déjà? Du bain de bouche, basique de chez Action, et des espèces de trucs qu'on met dans les toilettes pour faire l'eau bleue. Donc je me suis dit, ça c'est la première fois que j'en achète, donc je vais tester. Pour offrir à quelqu'un, un collègue ou une amie, j'ai pris des petites pralinées Nuts et Nougat Cream. Ma foi, ça a l'air pas mauvais et elles étaient en promo à 1,69€, donc ça, ça valait le coup, je trouve. La petite boîte sympa, c'est toujours un petit cadeau sympa à recevoir. Moi, j'adore les chocolats, donc... Après, je pense qu'il reste que de la papeterie et des petits accessoires comme ça. J'ai pris pour l'anniversaire de mes enfants, vous savez, les fameux ballons or... 4 et 2 ans pour l'anniversaire qu'en avril, hein, je sais, j'ai pris en avance, mais je sais pas, je suis passée à côté, je me dis, bah, allez, c'est le moment. Ça se trouve, je les ai déjà achetés en plus, je ne sais même plus, mais je ne crois pas. Le rayon beauté, j'avais envie de prendre plein de choses, disons, c'est la première fois que dans le rayon beauté, j'avais envie de prendre des choses. Parce que habituellement, je ne prends pas spécialement de produits de beauté là-bas, même il y avait des kits de mini rouge à lèvres qui avaient l'air top, il y avait une palette d'enlumineur qui avait l'air top. J'ai résisté parce que j'ai plein de belles palettes aussi ici, donc je me suis contenue, mais j'ai pris trois petites choses. Un masque pour les lèvres comme ça que j'ai beaucoup vu dans les vidéos mais que je n'ai jamais testé, donc voilà. Le fameux bubble masque là qui fait des bulles, donc ça pour le fun, pour tester. Et le masque Peel Off Gold Mask qui est donc doré et qui s'enlève tout seul, donc ma foi, bon, à base de collagène etc, un peu effet anti-âge quoi. Mais voilà, j'ai pris que ça au niveau beauté. Ah, avant de passer aux gourmandises, avant de passer à la papeterie, j'ai acheté ça pour ma belle-mère avec un gel pour les mains nettoyant et une crème pour les mains. C'est ce qu'elle utilise vraiment au quotidien. Et je sais qu'elle adore ce genre de choses-là, qu'elle n'en a pas beaucoup d'ailleurs. Il a un peu pris cher, mais voilà, le packaging était très beau pour offrir. Et ça, pour offrir aussi avec d'autres petites choses, c'est une sorte de sapin de Noël en chocolat. Je pense avec de la pâte de menthe à l'intérieur. Enfin, bon, ma foi, ça a l'air pas mal. J'ai pris le sac sur moi pour vous montrer tout ce qui est papeterie. J'ai craqué pour ce petit kit-là de marqueurs, vous savez, un peu comme les Posca. J'ai pas mal de Posca à l'école et je voulais comparer pour voir si ça valait le coup ou pas. Les Posca, je sais qu'on peut s'en servir vraiment sur tout. Et du coup, c'est ce que j'aime bien puisque c'est une sorte de feutre marqueur à base de peinture acrylique. Donc, j'ai voulu tester... Ça aussi j'ai voulu tester même pour ma classe parce que j'ai des planches en bois dans ma classe et je me suis dit que j'allais peut-être tester ça. C'est un stylo pyrogravure ou pyrograveur pardon. J'en ai pas mal entendu parler, ça faisait très longtemps que je le voyais chez Action mais j'ai pas craqué, il était à 5 euros, moins de 5 euros. Et il est idéal pour graver des dessins et motifs sur du bois avec manches en plastique et cordons et des pointes pour graver différentes choses. Donc je me suis dit pourquoi pas tester.
Ça m'intrigue, ça m'intrigue, ça m'intrigue. Donc c'est une sorte de fuse, je crois, hein, entre guillemets. Donc pourquoi pas, j'ai pas mal de boîtes en bois et de choses à customiser, donc pourquoi pas. Un petit washi tape style bullet journal. Avec les jours de la semaine, dans les petits encadrés comme ça, je trouve ça très mignon. Un superbe stylo que vous auriez pu trouver sur AliExpress, mais voilà, il m'a fait trop envie. Ah là là, les conneries que je peux acheter des fois, mais je vous jure, hein, je m'auto-fatigue du scotch parce que j'en ai plus beaucoup en stock. Mais voilà, j'ai acheté celui-ci, mais j'ai oublié d'acheter le gros gros scotch. J'ai acheté deux albums de scrapbooking noir, comme ça, j'ai trouvé très très beau. Ma foi, la taille paraissait pas mal du tout. D'habitude, je les achète chez Emma, autour de 5 ou 10 euros, mais c'est des plus gros. Mais là, je me suis dit, pourquoi pas, pour faire d'autres styles d'albums, il faut que j'avance en scrap, hein. J'ai plein de choses à réaliser en scrap. Il y en a plein qui m'ont dit, mais pourquoi je fais plus de vidéos scrap? Ben, j'aimerais bien en refaire, mon dieu, j'aimerais bien. Mais avec deux enfants, le temps est court. Et alors, avec un troisième, je ne sais pas si je trouverai le temps. Mais je vais y arriver, je vais y arriver. Je garde espoir. Donc j'ai pris ces deux là qui sont noirs avec de l'argenté dessus. J'ai trouvé trop trop beau. J'ai repris des feuilles mousse-mousse là. Enfin, vous savez, feuilles, des enveloppes bulles, pardon. Parce que ça c'est toujours utile. J'ai pris aussi du papier pour la plastifieuse. Parce que moi j'ai une plastifieuse à la maison. Habituellement je prends les feuilles à plastifier de l'école. Mais bon, je vois qu'à l'école des fois il n'y en a pas beaucoup. Donc j'en ai pris un petit paquet. J'ai craqué pour une petite planche de tampon avec joyeux anniversaire, you are invited, pour faire des cartes d'invitation ou des cartes d'anniversaire, et une planche à embosser pour mettre dans la Big Shot avec justement écrit Happy Birthday et des petits cœurs qui vont faire des trous en fait dans la carte. Je crois que j'ai pris une autre planche aussi à embosser, enfin c'est plus une matrice de découpe, d'ailleurs elle était vraiment plus grosse, mais j'adore ce genre de choses là. Pour mettre dans des créations ou même dans des cartes, et puis en dessous vous mettez des petites choses, enfin ça me donnait vraiment envie de tester, donc je ne sais pas ce que ça vaut, mais ça me donnait envie. Ils ont enfin mis chez Action, vous savez, des planches de stickers avec des bouteilles de parfum, donc ça j'ai pris, je trouve ça trop mignon. J'ai pris cette petite planche de stickers encore une fois, un peu 3D avec des petits lamas. J'en avais pris une autre, mais je ne sais pas où elle est passée dans mes sacs, ou peut-être que je l'ai oubliée au magasin, ou que le monsieur l'a perdue en la passant, mais dans la même collection comme ça, j'avais pris des petits fanions. Mais bon, je ne sais pas où sont-ils passés. Ah ben, ils sont là. Oh, mauvaise langue, mauvaise langue. Les voici, les petits fanions. Ça coûtait pas très cher non plus. J'ai repris du scotch double face parce qu'en fait, j'ai un album à préparer pour offrir à ma copine Uriel de la chaîne Cosmétique pour son fils. Pour ses 1 an, je voulais lui faire un petit album un peu scrappé. Donc, j'ai acheté ces fameux petits fanions et ces petits lamas. Et ce petit carnet pour elle aussi, pour lui mettre dans son album. Bah, parce que les motifs m'inspiraient, me donnaient envie pour ces photos, donc avec du gold à l'intérieur, il y avait des petites flèches, des petits, enfin, voilà, ça me faisait penser à son fils, donc voilà. Regardez celui-ci, il est trop beau. Et celui-ci aussi, alors par touche, hein, bien sûr, je mettrai pas que des fonds comme ça, mais je l'ai trouvé très très beau. Et pour finir, j'ai trouvé un lot, enfin trois lots même, de cartes en fait, ben, des cartes envoyées. Avec des couleurs et des designs un peu sympas. Donc là c'est un peu sur le thème bah, pour les enfants. Enfin je sais pas, vous en faites ce que vous voulez. J'ai trouvé trop trop belle avec un peu de foil comme ça. Avec les papillons, enfin bon, j'ai trouvé trop belle. Que ce soit pour des créations en scrap, mais même aussi pour envoyer pour de vrai. Hein. Elles sont vraiment très jolies. Vous voyez là avec ce petit thème un peu avec les éléphants et tout, je trouve ça trop mignon. Et celle-ci en dernier, j'en ai trouvé que 3. Alors, je sais pas s'il y avait d'autres collections, mais en tout cas j'en ai trouvé que 3. Honnêtement, ça faisait longtemps que je n'avais pas craqué comme ça chez Action. Ça faisait mais un bail. En même temps, ça faisait au moins 2 mois que je n'y avais pas été parce que j'avais résisté. Donc si vous aimez les hauls, Jiffy, Action, ou des décos, ou des idées, voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Et si vous avez des suggestions pour moi de futures vidéos, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je serai ravie de vous lire et de vous répondre comme d'habitude. Je reviendrai très prochainement pour une vidéo Bullet Journal. Je n'ai pas oublié, il est quasi prêt et j'ai envie de vous montrer un peu tout ce que j'ai fait. Et sûrement une petite vidéo aussi sur l'album de mon fils que j'ai pas mal avancé en scrap. Donc je voulais vous montrer aussi le début. Donc n'hésitez pas, celles qui sont scrapeuses et qui aiment les vidéos scrap, ça revient sur ma chaîne. Je vous fais de gros bisous. Salut. Oh, ça se présente déjà un petit sachet comme ça, regardez. Comme une petite cacahuète. Avec un thé, ça sera magique.